Le public est indécis, les amis. On a 16 personnes qui ont voté sur ce chat. On a demandé qui allait gagner le pot 57. Sur ces 16 personnes, on en a 8 qui ont voté pour Guirao, 8 qui ont voté pour Gogesta. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a un plus beau rêve que cette finale? Ça va être beau parce que Guirao a fait une remontée de loser. Bien énervé, hein. 3-0 contre Tixou, 3-0 contre Thaïs pour les finales. Je pense que ça va être assez bien ce qu'il va faire pour l'instant, l'avantage. Et pour Guirao, on va casser quand j'aurai fini mon lâchette, hein, je t'ai promis. 50-50 parfait pour les votes. Rebuse, t'arrives bon moment pour la grande finale. Grande finale d'anthologie sûrement. Entre ces deux joueurs à Smash. Les gens ne savent pas du tout. On a vraiment eu 16 votants, 50% de chaque côté. Incroyable. Juste incroyable. Ça montre que vous savez vraiment pas qui va gagner. Ça montre... Moi j'ai pas voté mais. En vrai, j'ai pas de favori, je préfère pas en avoir parce que je commande, je casse et que c'est ma team. Les deux le peuvent et vous le pouvez dans vos réponses. Echo il a fait 9ème je crois, abuse. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, on est sur un match assez agressif des deux côtés. Il y a beaucoup de pourcents des gens déjà sur le second stock. Coucou Jelun. T'as mis 10 ans à faire ton boss des villes. Oh, mais quelle indignité, quelle indignité. Pourtant, tu fais juste slash host et tu mets mon pseudo. Ça se fait super vite. Ça se fait super vite. Et du coup, tout le monde sait le barrière autant. Ou sinon, si tu veux raid, tu fais slash raid pseudo sur ton chat. Bah, CNH, c'est un jeu de farming et c'est un jeu de patience en fait. Où tu profites, où tu te détends, où tu vas avoir plein de petites choses à faire petit à petit. Tu vas construire, tu vas te créer tes propres objectifs. Je bouffe comme un porc, hein. Excusez-moi. Bon, j'ai pas envie de gaspiller ce qu'il y a autour d'os. Ça, ça détend assez en fait, ça fout le détend. Et c'est tellement bien fait que même si t'as pas envie de te détendre, tu rentres vite dans le jeu. Et ça, c'est beau. C'est très très beau. J'ai pas de serviette. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai oublié de commenter. Normal, je mange à Zerti. Tu m'as ramené tellement bon repas. Commenter, j'ai pas le temps. J'ai pas de serviette et j'ai les mains sales. Au secours. Au secours. Promis, on va commenter. Hein. Promis, on va caster parce que cette finale est serrée. Quand je vois le 50-50, mange et commente. Ah. Au secours. Quel enfer, Luciane. Quel enfer. Ouais, c'est ça, c'est le craft pour être plus rapide. Ne parle pas bouche peine parce que c'est dégueu. Mais je parle pas bouche peine. Non, mais là j'ai fini, il faut juste que je ronge un peu les restes, tu vois, mais j'ai fini. En tout cas, c'était bon, chérie. Il y a encore des frites. Avec un peu de vinaigre là. Mmh. Oh, ce serait bon. Hein. Petite frite vinaigre là. Ou mieux. Frites avec la béchamel. Ouf, meilleure chose. Meilleure chose. Counterpick. Guirao qui va pas rester sur Cloud. Le choix du counterpick qui va être direct. On part sur Sonic. Et ça peut être intéressant, Sonic face à Bowser. Il y en a 5, il n'a pas 3 par jour cette fois-ci là. Ça fait qu'il n'y en avait que 3 par jour. Bien sûr, béchamel maison, supernova. Après, c'est facile. Pour le coup, une béchamel maison, c'est facile à faire. Vous faites fondre un peu de beurre, vous mettez votre farine, vous faites la pâte en cuir, vous rajoutez le lait, vous mélangez,
Et juste que ce soit bon. Franchement, là, c'est que du plaisir. Que du plaisir. Vous pouvez rajouter du gruyère, des champignons, des petits trucs si vous avez envie. Bon, après, vous les faites cuire en divan gratin. Vous mettez votre jambon, enfin, votre endive ou pas. Moi, je fais sans endive parce que j'aime pas les endives. Mais vous mettez le jambon avec l'endive, toujours sans endive. Vous faites cuire dans la béchamel. Gruyère au-dessus, vous faites cuire au four. Hein. Avec votre petite frite à côté. Vous mettez toute la sauce sur les frites, le jambon à côté. Et ton appel trop long, tu n'auras toujours pas. 200 000% hein, du côté gauche des stars avant de mourir. Et on va se prendre sous tilt. D'ailleurs, j'ai installé toutes les maisons. Là, j'ai deux maisons en attente chez moi. Et bientôt trois, vu que j'ai un habitant qui part aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez un vieux gorille qui s'habille en Mario, qui a une tête Donkey Kong en vert, n'hésitez pas à venir dans ma ville. Sachez qu'il est actuellement en décision de déménager. Je pense que ce sera demain que vous pourrez venir récupérer, vu qu'il a décidé aujourd'hui de partir. Sûrement, je sais pas s'il sera parti ce soir ou demain. Si vous voulez voilà, un Donkey Kong vert habillé en Mario, n'hésitez pas, je vous le fournis. Mail en carton et après. Donc demain vous pourrez venir chercher mon gorille vert. Voilà. Mais demain, comme je caste et que je fais un tournoi, je sais pas si on aura le temps, mais sachez-le. Peut-être le matin ou avant le tournoi des pugilats. Non, Daisy, tu fermes la porte. Daisy, la porte. Ferme-moi cette porte, Daisy. Je t'ai appris quoi la semaine passée? Tous les jours, je te dis, tu ouvres cette porte, tu la refermes. Ferme-moi cette porte, Daisy. L'air est froid, ce n'est pas agréable. Daisy, tu fermes cette porte. C'est insupportable. Qu'est-ce qui se passe dans ce game? Guillaume, pour l'instant, avantage. Game 2. Non, Daisy, je caste. Daisy, elle est comme ça, devant Pyro. Mais c'est ça. C'est complètement ça. C'est pas des emotes de Daisy sur le chat. Hein. Spammez-moi les emotes de Daisy là pour qu'on comprenne à quel point je suis dans le seul. Je suis seul au monde contre ce chat. Bah, tu vires ce que tu veux pas et petit à petit t'espères les avoir. Dégage Daisy. Tu vas débrancher le câble sinon. Et je donne pour l'instant Guillaume un stock d'avance. La Daisy, elle veut un câlin, elle va monter sur moi, elle va m'énerver. Tu files. Donc ça, ça sort pas, elle arrive pas à finaliser ce stock, à calculer ses timings face à Sonic. On va trouver un side B, la DX sera pas forcément la meilleure au monde, mais suffisante. Pour pas mourir, on va pouvoir se laisser passer directement en punish, Garou. Réaction très rapide pour empêcher le Bowser de s'approcher, qui était pas tech forcément. Gogesta qui fait souvent, et beaucoup de poseurs font cette erreur de vouloir get up attack quand ils n'ont pas forcément la portée, automatiquement le flash qui va plus dire. Et prendre cette game un pas tout. Ben, vous voulez voir Daisy là sur le chat? Vous voulez vraiment voir Daisy là? Non, merci Rulsiran, j'ai eu peur. Vous avez pas l'air très motivé à avoir Daisy. Hein. Toi tu la vois toujours, tu vis avec AZERTY. Non, vous voulez pas la voir, là, sur le chat vous voulez pas. Hein.
Vous voulez pas l'avoir. Si vous voulez l'avoir, vous mettriez plein d'émoticônes Daisy sur le chat. Et vous direz on veut l'avoir, vous mettriez plein que des Daisy sur le chat en fait. Et si jamais je vois une page remplie de Daisy, peut-être que je réfléchirai à lui dire de venir. Et c'est pas dit qu'elle veuille, hein. C'est pas dit qu'elle veuille. Et moi, s'il n'y a pas de Daisy partout, je vous la montre pas. Ça, c'est pas intéressant de l'embêter pour ça. Peut-être pas arnaquer. Mais bon, en même temps, vous êtes que deux à mettre des Daisy à 2-3. Bon, c'est pas très intéressant. Il y a 42 subs sur le stream. Vous allez pas me dire que vous êtes que 3 à avoir les emotes. Hein. Non, c'est que vous voulez pas. Hein. C'est que vous voulez pas du tout. Hein. Avec tes décoils, tu peux l'avoir, Olivier. Ah non, vous voulez pas. Bon, tant pis. Tant pis pour vous. Ah, Daisy veut sortir. Tiens, je t'envoie Daisy à Zertit. Tiens, va voir ta mère. Elle est partie. Elle est partie. En tout cas, c'est ça qui ne meurt pas. On va tech Buffer Rugby. Derrière le Punish qui sera un peu tardif de Garou, il n'arrivera pas à trouver le landing assez rapidement. On va mettre un bel ultra là du côté gauche, c'est intéressant. 85% de trouver. Même si on est déjà à 200%, attention, on pourrait vite se faire surprendre. On pourrait même se faire tuer par un de ces trucs. Typiquement, Garou qui va se louper sur l'Edgard malheureusement. Le Selby qui va être trouvé. On va prendre 7 stock. La merde, un chat animaux dans le vision, pourquoi faire? Ouais, tu veux tous vos animaux? Personne participerait. Si vous ne faites que vos animaux ou les animaux de tout le monde, tu vois. C'est la question. T'as 6 chats! C'est pour ça que tu penses que je suis un mec bien en fait. Tu vis avec la pire horreur sur Terre, ce fois 6. C'est pas la vie, c'est l'enfer. C'est l'enfer. T'as 17 chiens. 17 chiens, c'est pas vivable. C'est pas la place qu'il faudrait. Après, t'es suisse. Donc tu me diras... T'as forcément de la place, t'es riche. Et pour l'instant, le Zeg a trouvé ce up smash. Et on se rend les coups, hein. On se rend les coups des deux côtés. Et c'est pas fini pour l'instant entre ces deux joueurs. C'est loin d'être fini. 2-1. Je sais pas que je m'ajoute le score. Quick, quick, quick. Sonic, c'est dur en retard, ouais. C'est dur. Mais en fait, ça dépend comment tu joues Sonic. Mais oui, si jamais tu veux jouer sur le temps et réussir à peaufiner. En fait, le principe de camp, c'est bien quand t'as l'avantage. T'as l'avantage terrain. Mais si t'es en retard et que tu campes, mais en fait, le mec en face t'approche pas, il s'en fout. Ça sert à rien. Non, c'est bon ce truc. Ah oui, j'ai toujours pas de serviette, mais ne vous inquiétez pas. Il me regarde depuis tout à l'heure là, on est là. Ah oui, il est Jason. Il est Jason, ouais. Allez, on est parti. Peut-être la dernière game hein, de la soirée si Gogesta arrive à finaliser ce BO. Donc, on aurait fini le tournoi. Il est 23h34, vous vous rendez compte. Un tournoi à plus de 30 joueurs. 23h30, on n'a jamais fini avant minuit, je crois. C'est incroyable.
incroyable ce qui se passe là. Vous avez généralement été aussi efficace. Après, il y a eu le coup de 3-0. Ça a été un petit peu, mais. Franchement, bravo à vous hein, ce soir. Hein. Que du plaisir. Que du plaisir. Ouais, c'est ça, vu qu'il doit faire un effort. Du coup, dès qu'on leur met des croquettes fraîches, nos chats, c'est la fête. Comment on différencie, c'est l'animation de début en fait. T'en as un qui se fait sur place, un qui va reculer un peu, un qui va se lever. T'as des couleurs qui changent aussi après. Après, je connais pas assez les moves de Sonic, je t'avoue. Pour me permettre de parler. Parce qu'il va être loupé du côté Garou. Garou qui a du mal hein, contre ce Bowser, il a pris une game et Gogeta s'est adapté. Maintenant, on ne s'en sort plus. Et après peut-être deux échecs de Gogeta récemment à son 2ème et 13ème place. Qu'on a vu cette dernière semaine. Est-ce que ce serait pas la revanche de l'ami Gogestu qui pourrait potentiellement trouver une victoire sur ce pot et se rattraper un petit peu de toutes ses erreurs, de tous ses misses. C'est pas impossible actuellement, Gogeta qui gagne 2, on rappelle, s'il prend cette game, il a toujours un avantage, hein. Il a toujours l'avantage cette game. S'il prend cette game, c'est fini, c'est fini le tournoi. Mais Garou qui se montre très patient pour l'instant, qui sait pas trop punir, il fait pas trop d'erreurs, même si ce grab était un petit peu trop malheureusement, il faut directement le grab du côté Bowser pour punir ça. Allez, on va peut-être faire directement le jump strapper après Garou. Et il donne smash qui va être trouvé parfait. Parfait punish de Gogeta. Qui a compris comment marche son adversaire, qui a compris les landings et qui sait qu'en punir, il a trouvé le punish parfait sur Sonic. Il prend cette stock et peut-être dernière stock de Sonic. Directement Stoner qui va double hit. Renvoyer Garou directement sur le terrain et prendre en prime cette stock à l'ami Gogeta. Et peut-être dernière stock. Est-ce qu'on a une bague de 2-2 pour Garou qui s'installe doucement. On reprend l'avantage du côté Sonic sur cette game. Directement le Ubi en punish. Mais on rappelle que si Garou gagne, bah c'est Gogeta qui choisira la prochaine map. Et ça pourrait être là son avantage à l'ami Gogeta sur la progression de Stone City, certes. C'est intéressant, mais ça reste une map qui est assez large. Qui est assez large. Et Sonic, il peut en vivre plus facilement que d'autres. On va trouver directement ce grab, le backstroke qui va être trouvé. Gogeta qui n'a pas été tenté un dégât trop risqué. Pour l'instant, c'est compliqué. Hein. On se fait complètement bloqué sur cette edge. Spin back air pour l'instant. Garou qui est intouchable et qui va parfaitement lire ce landing. Mauvais choix de landing avec l'arrière. On a eu beaucoup trop de lag du côté de Gogeta. Garou qui va le lire parfaitement et prendre ce back air. 2-2. Reset. Ou fin du tournoi. Ce sont les deux possibilités qui nous attendent sur la prochaine game. On va voir les bans du côté des deux joueurs. Reset bracket, exactement, Kéros. C'est super serré, bah c'était prévisible Supernova quand on avait fait le sondage hein, avant le début de la game, on demandait qui va gagner ce pot entre Garou et Gogeta. On a eu 50% pour les deux, tout simplement 50% de vote pour l'un et pour l'autre. Preuve que même vous, le public, ne savent pas qui va l'emporter. Mais là on a quand même léger avantage Gogeta parce qu'il a le choix de map. Et ça peut aller de son côté. Game 10 incoming, on verra, Kéros, on verra. A voir comment Garou se comporte sur le terrain choisi par Gogeta. Et sur quoi Garou banne souvent les Yoshi et Lailat. Donc on peut s'attendre du côté Gogeta peut-être à un Smashville.
Je m'attends à un Smashville personnellement, on va voir. Je m'attends à un Smashville hein, pour la prochaine map. PS2 ça pourrait trop aider, le reste des autres maps c'est un peu trop plat. Et il a pas ban Nylat, Garo, ça veut dire qu'il a été chercher un autre ban, ça veut dire qu'il a déjà les ban Smashville à mon avis, Garo. Et du coup ça va forcer un peu le choix de Nylat. Du côté Bowser, je pense que Nylat c'est mieux, au final c'est encore mieux. Je pensais pas que Garo le bannirait pas un jour. Hein. Comme quoi, Nylat existe encore. Et on voit Nylat sur 7, winner, grande finale pardon. Et peut-être pour cette dernière game de ce tournoi. Beaucoup pour l'instant du côté Garo. Après voilà, la map reste assez large, donc on peut voir un jeu intéressant du côté Garo. Ouais, qui pourrait se dessiner. Et qui passera pas directement à la grappe qui va être là. Ça dépend parce qu'il y a quand même... En fait, c'est pas mauvais forcément pour Sonic. Mais le problème c'est que les plateformes Sonic, il a un peu de mal si tu campes sur les plateformes. En fait, il va être forcé à spin pour t'attaquer parce que les aérios seront pas safe. Donc tu peux shield facilement. Et en plus, Bowser, il est tellement grand que tous ses moves vont toucher les trois plateformes. Et en fait, Nylat, c'est très très bon pour Sonic, pour Bowser pour ça. C'est que justement, ces plateformes, elles pourront les spam de partout sur le terrain. Et dès qu'il va être au sol, Bowser, si t'es au-dessus, tu vas galérer à retoucher ce sol. Sans parler des side B, ouais, qui sont complètement mieux pour Bowser. Donc ouais, ça m'étonne qu'il l'ait laissé. Après, je pense, comme je dis, qu'il a du ban, Smashville, Yoshi Island, je pense. Et Yoshi Story, du coup. Bon, là, l'actrice de... Je sais plus quel est un des personnages de... Une des actrices d'un des personnages de Star Fox qui est décédé cette semaine. Si quelqu'un peut me retrouver le nom. La boîte au 64 je crois. Oula, le fer était un peu trop permissif. Malheureusement directement. Le 2 Allez, c'est Sonic, quoi, le son est... Il est agréable. Hein. Il est agréable. Prochaine fois, promis, je vous baisse le son du jeu, la musique du jeu, et je mets le son en fond. Et je vous mets plus fort le son du jeu. Alors que Azertit n'a plus le stream. Au revoir Azertit. A tout à l'heure. Dis-moi la fin du confinement que t'es plus à devoir regarder le stream en 4G. Enfin, ça, NES, le timing, c'est quand même différent. J'ai deux fers de guerre, on n'arrive pas à trouver ce stream encore. 4 minutes de chrono, en vrai, Chico Gesa s'était montré un peu plus patient, il aurait pu jouer sur ce chrono. J'ai l'impression que c'est trop souvent son plan de jeu actuel. Mais à voir s'il est réfléchi quand même. On a mis presque 3 minutes à enlever ce stock, toujours pas de dégâts pris. Bon, après 3 minutes, toujours pas de dégâts pris, donc ça lui en aime. Je pense c'est quoi plus ce stock, mais. Faut pas réfléchir à surveiller ce chrono. Il gratte sur ce stock et c'est lui qui reprend l'avantage pour l'instant. Un point de vue pour 100. On rappelle, hein, ça fait 2-2, c'est la game de reset. Ou la game, enfin du moins la game de BO. La game de reset pour Garo. Il faut la gagner à tout prix. Et bien sûr, la game de tournoi. Pour Gogesta, est-ce qu'il a envie de se faire reset? Et franchement, il a trop peur. Gogesta, ça se voit qu'il a peur pour l'instant. Dès qu'il s'approche, il lance énormément shield. La moindre fois qu'il landing et qu'il voit Sonic arriver, il va tout le temps chercher ce shield, vous voyez, ce là. Il shield tout le temps. Après, c'est logique de shielder contre Sonic, parce que c'est spin, c'est la meilleure défense que vous avez contre. Ça va être de shielder ses moves. Mais bon, attention, hein, pas non plus faire prendre un grab ou quelque chose. C'est un smash qui va être coupé de peu, malheureusement, pour Gogesta. C'était pas forcément mal pensé en plus. On va trouver ce shield. Le shield qui, pareil, sur la gate, cover toute la plateforme de Bowser. Moi j'ai tout le temps les mamouettes, donc ouais, ça me tente pas qu'il ait aussi les mamouettes. Je lui donne cheat!
Très bien anticipé de la part de l'amigo Gesta et dernière stock pour Sonic. Il reste 2 minutes 16 à ce chrono. On va le surveiller encore une fois. Ça peut être important, surveiller ce chrono. Parce que ça pourrait être un facteur. Un facteur forçant un petit peu les agressions pour Guerao. Choix de la smash, c'est bizarre de Guerao. Je pense qu'il y a mieux à faire pour finir ce donner. Il reste moins de 2 minutes. C'est bon, il reste 1 minute 55 à ce BO. Ce BO qui finira maintenant. Officiellement, dans très peu de temps, au mieux. Pour l'instant, Guerao qui se fait un petit peu gratter, qui n'arrive pas à trouver ce stock actuellement. Faut que Gesta prenne son temps sur ses recours, hein. Il n'a pas forcément forcé à agresser. Je pense qu'il a vu le chrono, parce qu'il joue un peu plus patient. Donc il doit le surveiller. Forcer maintenant, Guerao aux erreurs. Essayer de gratter des pourcents. 1 minute 30 restant en chrono. On est toujours sur le second stock du côté Gogesta. On n'arrive pas à trouver ce garde wax trop intéressant, dommage. C'est juste ça qui joue full ses distances à hein. 1 minute 20 à ce chrono, encore une fois. Hein. Guerao va-t-il se faire ce coup-ci time? Mais ça, pour ça, ne veut pas mourir en tout cas. 1 minute 8 au chrono. On va le surveiller ce chrono maintenant, on va le surveiller ce chrono. Je vous avais dit que cette stock avait été longue en premier. Et c'est pas étonnant maintenant que Guerao. On va trouver une backstroke peut-être là. Ça tuera toujours pas, ça tuera toujours pas, hein, la backstroke. Qui sera insuffisante. Hein. Et Guerao qui tente tout pour le tout. 50 secondes au chrono. 50 secondes au chrono. Mais seulement 44% de prix par Guerao. Hein. C'est pas non plus foutu tant que ça. Même si ça commence à sentir mauvais. Pour le Sony, il va falloir trouver ce stock maintenant. Il faut trouver un stock. Et il va falloir gratter. 85%, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué de revenir maintenant. L'ami Gogesta est en train de dérouler grâce à ce chrono. Le upper qui va être trouvé. Gogesta qui prend ce temps pour revenir. Forcément. La barre qui va tuer la stock. 25 secondes au chrono. Gogesta qui ne va pas revenir. Bien sûr, il va attendre. Il va full attendre. Il reste 20 secondes à ce match. Il reste 20 secondes. Et on va attendre en shield tranquillement du côté Gogesta. Et on va trouver un donner. On va trouver un forcément. Guerao trop agressif. On va directement punir avec ce DR. On savait qu'il allait pas être safe. 15 secondes, c'était dur pour attraper 100% et ça suffira pour Gogesta prendre the game et ce tournoi 3-2 pour Gogesta.